Je pense qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui au niveau national qui sont peut-être sous mésestimés en tout cas, et qui a une complexité du domaine et de donc qui fait que les questions sur l'eau ne peuvent pas être saisies comme ça par le commun des mortels aussi rapidement qu'on croit. Il y a des problèmes généraux, puis il y a je dirais, tout un environnement qui fait qu'il y a une complexité énorme et que les choses qui peuvent paraître simples au départ sont beaucoup plus complexes qu'on peut croire après coup et comprendre, et donc que ça nécessite que ces concepts soient expliqués aussi bien aux différents partis qui représentent la France aujourd'hui, comme le Parti socialiste, qu'à d'autres, et qu'un certain nombre qu'aux institutions, et surtout quand moi je disons que je vis ça à travers un témoignage, une expérience d'homme de terrain, et où je me rends compte un peu de ces dysfonctionnements ou de ces contradictions. Et il me semble important, ou de ces imprécisions, il me semble important que on apporte beaucoup de cohérence dans tout ce qu'on dit, parce que derrière chaque mot qu'on utilise, il y a des concepts, des pratiques, des cultures différentes, et il faut absolument les harmoniser. Quand on parle du prix de l'eau, ça ne veut rien dire, parce que dans le prix de l'eau, il y a tout et n'importe quoi, et je peux le démontrer. Je suis capable d'expliquer pourquoi en face de n'importe quel spécialiste. Et je peux donc dire qu'il faut amener de la cohérence pour qu'on parle tous de la même chose, un même langage, et qu'ensuite on puisse mener une politique qui soit mesurable, évaluable, sur des bases qui soient comparables, objectives, et que aussi bien le bien public, le patrimoine public soit préservé, aussi bien à court terme qu'à moyen terme qu'à long terme pour les générations futures.